Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.8 et Mama Pram 16.2. Nous sommes toujours dans ce petit village ici. Village complètement dépeuplé avec des PNJ anémiques qui ne grandissent pas et qui sont même en train de se barrer. Voilà. Bonjour petit bébé PNJ, comment que ça va bien? Ça va bien. Si tu voulais grandir en direct live, ce serait vachement bien. Ça mettrait un petit peu d'action dans cette vidéo. Il n'a pas envie. Ok. Alors, nous allons faire un truc. C'est que ici, reste avec moi, mon petit père. Je vais juste manipuler de la TNT. Donc, tu vois, il n'y a aucun danger de rester avec moi. Aucun, aucun, aucun. Parce que je sais ce que je fais. Ouais. J'ai appris. Minecraft m'a enseigné comment gérer la TNT. Tu peux me suivre si tu as envie. Si t'as pas envie, tu restes là. Mais tu peux venir. Il n'en a rien à secouer. Ok, bon, ici on a déjà un petit point d'eau. Donc on va pas en refaire un ici. Là on en a un autre. Donc on va pas en refaire un là non plus. Par contre, j'ai envie de faire un endroit où les PNJ vont pouvoir faire comme un toboggan. Et moi, je me promène toujours avec ma canne à pêche. On va faire de 3 de haut. Oh pardon, je sais plus manipuler. Et oui, non, je ne vais pas utiliser la TNT puisque nous allons pas faire ça en profondeur, mais en hauteur. Donc vous pouvez rester même si vous avez peur de la manipulation des explosifs. Oui, je sais, c'est juste un jeu. Alors, en fait, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas grave. On va faire des marches quand même, ça sera peut-être un petit peu mieux. Pour monter jusqu'en haut, ce sera quand même pas mal. Où il est le petit PNJ? Je le surveille quand même parce qu'à un moment il va devenir grand. Bon là il est en train de jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut que je leur fasse des jeux. Parce qu'ils aiment jouer. Sont très joueurs. En fait j'en sais rien du tout. C'est un peu de la folie douce comme depuis le début de cette map. Est-ce que les PNJ ont vraiment besoin d'avoir un point d'eau, un endroit où s'amuser, je ne sais pas. Et hop là. Donc ici, on va creuser pas mal. Et là, on va creuser un petit peu. Là, donc je vous ai dit, j'utiliserai pas la TNT, mais en fait, si. La canne à pêche, bon, on va la tèche, hein. Parce qu'on va pas garder ça 3 semaines. Ah ben tombe. T'as fait ce que tu veux. Ah ben il retombe dessus, tu sais, en survie. C'est vachement classe. Alors, ici, du coup, on monte. On monte les escaliers, hop, on plonge. Il manque un petit peu de largeur, je trouve. Parce que si c'est pour te splatcher la gueule dans le mur, ce n'est point la peine. Hop! Comme d'habitude, hein, les trous comme ça, c'est pas de la fainéantise, mais je les fais à la TNT comme ça. Le jeu se débrouille tout seul, il choisit lui-même la forme des choses. Ici. Mais non.
Et voilà. Eh ben, dis donc. Et là, ici, si tu rebondis, tu peux te foutre la tête dans un cactus, c'est pas mal. Hop. Hop. Et hop. Maintenant, je vais rentrer dans une maison. Ah ben voilà, le petit PNJ est venu là. Peut-être demain matin au réveil, il sera devenu grand. Ta mère, elle te nourrit vraiment, vraiment pas, toi. Faut que j'y en parle. Je sais pas où elle est, mais... elle est obligée d'appeler Super Nounou. Non, mais depuis le temps que je reste sur cette map, il fallait pas s'étonner qu'à un moment je devienne à moitié dingue. Puis voilà. Bon, bref. Tac. Voilà, donc ici on monte, on monte, on monte, on monte, et là on plonge. Et on a oublié de mettre de l'eau, donc du coup ça fait pâche plouf. Ça fait. Ah. Ça fait pâche plouf, ça fait mal. Je n'ai plus de torche, dis donc, j'ai plus que ça qui n'éclaire pas. Là là, Orphéa. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en plus chez vous, dis donc. À part là, quelques petites torchounettes. Ici, il n'y a même pas de torche. Il y a peut-être de ça aussi que les PNJ ne restent pas. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Toi, t'es encore tout petit, hein. Manger un truc avec du soja qui a été rajouté, il y en a plein. Et même s'ils en rajoutent pas, il y a certains bestiaux, ils en ont tellement mangé que ça reste dans les aliments. Ouais, je te jure. Marc et moi, ils m'ont beaucoup regardé des émissions où ils fabriquent de la bouffe fabrique, hein, pas où ils cuisinent. Après, ils peuvent cuisiner mal, c'est pas ça le problème. Mais... Et c'est con ça, je croyais qu'on allait passer. Et on ne passe pas. Où était ce petit PNJ qui a déjà disparu? Il y a des fois où on dit et on sait qu'on est un petit peu beaucoup chiant avec la bouffe. Mais quand tu vois certaines choses, comment c'est fabriqué, tu te dis, mais jamais de la vie je mangerai ça. Et toi, tu le fais pas, mais il y en a plein, ils disent, oh, mais si, moi j'en mangerai quand même. Alors, ouais, je sais, ça tue des gens, ça tue des animaux, ça tue. Ça fait disparaître tout un écosystème, mais c'est bon quand même. Ouais, non, 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 non. Est-ce qu'Orphéa, est-ce qu'Orphéa serait en train de parler de l'huile de palme? Mais entre autres, mon ami. Allez, on va noyer un petit peu des torches et des blocs. C'est pas grave. Allez, on va se faire un grand pôle d'amusement. On plonge et on se détend dans l'eau. Voilà. Parce qu'il faut pas croire, mais en Égypte ancienne, ils savaient aussi s'amuser. Il n'y avait pas que les prières, les travaux, les pyramides à construire. Il y a des moments où ils faisaient des pauses. Hop. Voilà.
Non, parce que je vais parler d'un truc qui est absolument pas d'actualité avec l'Égypte ancienne, hein, mais en ce moment, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, oui, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, donc on va parler de l'huile de palme, parce qu'on va s'arrêter là. Mais sous leur sapin, il y aura obligatoirement les petits machins au chocolat, qui petit un va leur faire prendre du cul. Et petit 2, tue des orangs-outans parce que contiennent énormément d'huile de palme. Mais si ça tuait que les orangs-outans, déforestation, migration des populations. Assassinat des gens pour qu'ils se laissent faire. Mais t'as peut-être grandi, toi? Attends, on va voir. Je dégage ça. Alors. Mais oui! C'est notre bébé PNJ qui est devenu grand. Qu'est-ce que tu veux? Mais t'es devenu un grand gourmand, mon cadet. Oh! Veux-tu rester là pendant qu'on va faire un échange pour devenir ami? Sois ami avec moi. Non, tu veux pas ça? C'est quoi? Oh, mais c'est des œufs. Excusez-moi. Oh la vache! Mais c'est parce que ça marche pas en fait. Puis vous me le dites pas, vous me laissez m'entasser toute seule comme une pauvre cruche. Ah là là. Enfin voilà qu'on lui offre quelque chose, mais non, non, il n'en veut pas, ça lui plaît pas. Ami, il est gourmand. Ah là là. 5. Mais c'est bien, tu m'en as donné que 2. Oh. Puis je sais plus où c'est rangé là-dedans, les émeraudes. Mais si, c'est rangé là, bourriquette. Hé, reviens! Oh! Voilà, tu tardes un petit peu, alors tout de suite il dit oui, elle est neuve. Ouais, je sais. Mais j'arrive. Oui, non, mais tu prends le paquet où t'en as plein. S'il te plaît, Orphéa. Mais non! Faire un livre. Mais non, je voulais pas échanger tant que ça. Bah j'espère que t'es content parce que tu vois pas toutes les pelles que tu viens de me filer. Ouais, je sais. Tu sautes de joie. Je t'entends. Je t'entends. Allez. Bon. Et la question est la suivante. Est-ce qu'après les PNJ vont rester dans cet endroit magnifique? Merveilleux, formidable, je ne sais pas. Maintenant que je l'aurai fait à un endroit où on peut sauter dans l'eau. Tu viens? On va le test? Allez, viens avec moi, petit PNJ. Ah! Personne m'a suivi, je suis toute seule à m'amuser comme une débile dans mon bassin. Bon, c'est pas grave, ils viendront plus tard, ils viendront un jour. Alors, on va rester peut-être un petit peu avec eux, pas là en vidéo, hein, mais moi je parle. On va rester un petit peu avec eux pour voir un petit peu comment ça évolue là-dedans. J'ai vraiment grandement envie d'avoir des PNJ qui restent là. Les œufs d'Undermen, je peux les laisser là, étant donné que je n'en ferai absolument rien, puisque c'est une map sans monstres. Donc, dans le genre, Orphéa fait des trucs qui servent à que dalle, ça c'est fait. Mais bon, ça. Bref. Quoi? Ça change pas d'habitude? Non, mais vous êtes pas cool, hein, de dire ça. Tiens, je te donne des cactus, toi. Tu veux du sable? Ouais, parce que t'en manques un peu dans le désert. Eh ben voilà. Moi, je dis que ça, c'est pas mal. On a un bassin pour sauter dedans, pour jouer dans l'eau et tout ça.
Peut-être à un moment on va avoir des poules. On verra bien. Qui pourront pêcher dedans. Voilà, moi j'ai foutu en l'air ma canne à pêche. C'est dommage. J'aurais pu l'utiliser. Non, je l'ai mis chez les PNJ. Bon allez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Normalement, demain, dimanche, nous aurons une vidéo dans la ville de Prêcheur que j'aurais peut-être fait avancer. Ou peut-être pas, ça dépendra. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.